Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire des embellissements avec des trombones. J'ai vu quelques idées sur des chaînes étrangères. Je ne me rappelle plus exactement si c'est américaine, allemande. Je ne me rappelle plus. Donc, j'ai relevé quelques idées et je vais en faire avec vous. Donc, je vais vous montrer. J'en ai déjà fait. Je vous montre ce que l'on va faire. Alors voici un petit clips. Donc vous avez le trombone là et on l'entoure d'un papier. Ici on y met un petit œillet. Après vous y mettez un petit ruban, la dentelle, ce que vous voulez, et là un petit sentiment. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-là, toujours avec le mot bonheur. Après j'en ai fait d'autres. Ensuite on va prendre un autre avec une autre forme. On le prend là, ce coup-ci un gros rectangle. On glisse le trombone dedans et après devant on l'habille. Donc moi je l'ai habillé avec de la dentelle, une fleur. Là vous le voyez bien. Voilà. Et derrière il y a le trombone et il s'enlève pas parce qu'on l'a collé. Bon, et bien écoutez, on va s'y mettre. Je vais baisser ma caméra, la monter un peu plus haut, la baisser et on commence ce tuto. On va commencer par cela. Donc, il vous faut pour ça, il vous faut un trombone. Alors vous voyez, vous avez le grand modèle pour ces trombones, pour ces embellissements là, et celui-ci. Il faut les grands trombones. Après vous avez les tout petits trombones pour les petits paniers. Ou alors je vais vous sortir le troisième. Hop, ou cela. Alors ça c'est des trombones ordinaires qu'on trouve partout. Celui-ci, on en trouve assez facilement aussi. Moi j'ai pris une boîte, ils les vendent dans des boîtes à chez Bureau Vallée. J'ai trouvé à Bureau Vallée, je pense que Cultura vous en trouvez aussi. Et puis cela, je crois que j'ai dû, oui, cela je les ai trouvés à Action. Voilà. Les grands, là, on en trouve chez Action, dans des petits sachets transparents. Donc, voilà les trois modèles. Donc, on va commencer par le grand. Alors, il vous faut donc un grand trombone. Si vous entendez un arrière-bruit, une machine tourner, c'est ma clim. Au moment où je filme cette vidéo, on est le vendredi 31 juillet et on nous annonce 40. Donc comme je ne travaille pas aujourd'hui, et bien j'ai tout renfermé. Ce matin j'avais tout aéré, là j'ai tout refermé et j'ai installé la clim et j'ai mis la clim en route. Donc il vous faut le grand trombone, un papier. Alors le papier que j'ai découpé, il fait 4,5 cm sur 6 cm. Voilà. Ensuite, alors bien sûr, il va être raide votre papier. Vous imaginez, moi je l'ai déjà préparé, mais vous imaginez qu'il est donc tout droit, vous l'avez coupé. Vous prenez votre trombone, vous vous placez à peu près au milieu de votre papier, ou tout du moins, vous repliez un morceau de votre papier. S'il dépasse de ce côté-là, c'est pas très grave, voyez. Oups, j'ai pas dit de partir. Voilà, voyez, on peut le mettre comme ça. S'il dépasse un peu plus, voyez, vous le positionnez comme ça. En fin de compte, oui, ce qui est le mieux. Alors, vous prenez votre papier, donc qui n'est pas marqué, moi, j'ai commencé à le marquer, mais... Donc,
le côté que vous voulez qui soit visible, vous le mettez en dessous. Vous mettez votre trombone à peu près à ras d'à côté de votre papier et vous pliez. Si jamais vous l'avez mal plié, qu'il dépasse, faut pas qu'il dépasse de trop. S'il dépasse de trop, bah là, vous vous mettez comme ceci et vous coupez un petit peu. Hein. Ça, je le fais souvent. Donc, vous le pliez comme ça et après, l'autre bout par-dessus. Donc, à ce niveau-là, une fois que vous l'avez plié, là, ici, vous mettez de la colle. Alors, de la colle, du double face, que vous voulez, que ça tienne quand même. Et après, vous le collez. D'accord? Donc, je mets ma colle. Et je ferme. Bon, là, elle dépasse un peu ma colle. Alors, ce que je fais, moi, comme j'ai bien les bonnes dimensions, là, maintenant, j'enlève le trombone. Et je colle et j'essuie en même temps. Voilà. Donc, là, vous avez votre papier qui est collé. Il n'est pas tout à fait collé. Là, j'ai pas de colle. On va remettre un petit point de colle. Voilà, je regarde si c'est bien collé partout. Voilà. Donc là, j'ai mon papier. Et bien maintenant, je le mets sur l'envers. Je reglisse mon trombone à l'intérieur. Et le bout qui se lève, je le soulève. Et voilà. Ça me donne ceci. Alors, pourquoi on met un œillet? Ben, pour le maintenir, parce que là, vous accrochez sur quelque chose, le papier peut partir. Voilà. Donc, on y met un... Enfin, moi j'y mets un œillet pour le maintenir. Après, vous pouvez mettre autre chose. Si vous n'avez pas d'œillet, vous faites un petit trou sans œillet et vous mettez quelque chose. Après, à vous d'adapter. Donc, moi je vais sortir mes œillets. Alors, ensuite, alors on va faire un trou. Donc, moi j'ai la crocodile. On va faire un trou. Du côté, alors je crois que j'avais fait les deux, oui. Au niveau de l'œillet, à vous de voir si votre déco d'œillet, vous le voulez, alors attendez, je prends une feuille pour vous expliquer. Si vous voulez, vous voyez quand vous allez le bout qui passe sur la feuille là, là je vais mettre ça, c'est celui-là. Voilà, donc là je glisse mes trombones. Après, voilà, moi là j'ai fait un œillet en bas, donc du coup j'ai la déco en bas, et là j'ai fait un œillet en haut de mon trombone, ce qui fait que j'ai la déco en haut quand je le mets. Alors ça peut, avec la déco en haut, vous pouvez vous en servir comme marque-page. Vous lisez un livre, hop, à la dernière, à la page où vous êtes arrêté, vous positionnez votre trombone et vous avez le petit bout de dentelle qui sort du livre. Ou ça, c'est bien pour faire un marque-page. Donc dans ces cas-là, il faut faire l'œillet à l'opposé de votre j'espère que je m'exprime bien, à l'opposé de la petite attache qui rentre dans la page, enfin, qui se glisse dans la page. Maintenant, si vous voulez que la déco soit vers le bas, à ce moment-là, il faut faire l'œillet au niveau, ce que vous voyez bien, ouais. Il faut faire l'œillet à ce moment-là au niveau du rond qui va se glisser sur une page ou autre. Donc après, à vous de voir si vous voulez positionner l'œillet en bas, voilà, en bas du trombone où il y a la tache qui glisse, ou en haut, suivant comme vous voulez vous servir
de l'embellissement. Voilà, si vous voulez avoir la déco en haut ou en bas. Bon, moi j'en ai fait des deux, de chaque côté, des deux côtés, pour vous vous donner une idée. Après, faites ce que vous voulez. Bon, moi du coup, je vais la faire en haut parce que je voudrais m'en servir, ben, l'offrir et que la personne puisse, si elle veut, s'en servir comme marque-page ou dans un junk journal. Ça, on peut le mettre aussi dans un junk journal. Donc, je vais le mettre en haut. Donc, je vais faire mon trou. Alors, je prends le plus gros. Ah, ça, j'ai du papier de coincé. Voilà. Donc, moi, je le fais en haut. Donc, à l'œil nu, comme ça, à peu près. Je fais mon trou. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait mon trou. Maintenant, je vais y positionner un œillet. Alors, il est bleu. Tant qu'à faire, on va prendre du bleu. Et puis, ces œillets-là, j'ai l'arrière qui va avec. C'est trop petit. Là, j'en ai deux. Hop. Voilà. Donc, je mets mon œillet. Oups. Voilà. Mon œillet est passé. Alors, hop. Et je serre. Voilà. Moi, du coup, j'ai pas eu besoin de rondelles pour celui-là. Hop. Donc, ensuite, je vais... Donc après, vous choisissez donc la couleur de papier que vous voulez. Moi, je le fais un peu, vous voyez, dans le style un peu vintage. Donc, moi, je vais le mettre un peu l'ancrer avec du vintage photo. Hop. Mais après, voilà, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Donc là, je le fais un peu glisser pour pouvoir en mettre là. Hein, si vous voulez un truc rose, shabby ou autre, ben vous mettez une autre couleur, du rose, du... Hop, il y a là, toi. Voilà. Moi, j'en mets un peu partout. Voilà. Donc, j'ai mis mon encre. Et maintenant, je vais y mettre un morceau de dentelle et un sentiment. Donc, ensuite, vous prenez un sentiment. Donc là, j'ai mis mes amis. L'autre, j'avais mis bonheur. Enfin, voilà, vous faites des petits sentiments. Alors, moi, mes sentiments, bon, vous mettez la grandeur que vous voulez. Moi, ils font 4 cm sur 1 cm. Voilà. Donc, après, vous mettez dans le sens que vous voulez. Hein, celui-là ou l'autre. Donc, après, un peu de colle. Voilà. Et on colle. Voilà. Donc moi, mon sentiment, il est mis. Maintenant, je vais mettre le petit bout de dentelle. Plutôt mettre un petit ruban comme ça. Hop. Alors, c'est sûr que c'est moins pratique... Voilà, les petits ciseaux. Voilà. Les petits bouts, on les garde toujours.
ça peut servir. Ensuite, bah, on brûle un peu hein, pour pas. Ah, mais pourquoi il bouge mon truc? On brûle un peu pour pas qu'il s'effiloche. Voilà. Et voilà. Et mon petit, mon sentiment, mon paperclip, c'est ça qu'on dit. Et voilà, mon paperclip terminé. Vous voyez, c'est vraiment tout simple, c'est rapide. Franchement, il n'y a pas plus rapide. On va faire celui-là. Alors, pareil, il nous faut un grand trombone. Alors, hop, un grand trombone. Ensuite, il nous faut un papier. Alors, un papier imprimé ou uni, comme vous voulez. Hein. Et ce papier, il faut qu'il fasse... C'est un peu des cotes bâtards. Moi, j'ai mis 6,6. Je pense que 6,5, c'est bon. Hein. Et puis... Ouais, j'ai vraiment mis des cotes bâtards. Mais un peu au hasard. Moi, j'ai coupé au hasard. Et 7,3. Bon, je pense que 7 par 6, c'est bon. Donc, ce papier, vous le pliez en deux. Et pour y passer après le trombone à l'intérieur et la petite patte qu'on glisse sur un autre support à l'extérieur. On laisse un peu dépasser. Voilà ce que ça vous donne. Donc, il va falloir mettre de la colle. Donc, comme on glisse le trombone par le haut, on va mettre de la colle sur le côté qui descend et le bas parce que le trombone ne traverse pas. Il s'arrête à peu près à ce bah, presque à ras. Donc en haut, je répète, on ne met pas de colle parce que le trombone va glisser. Donc on met de la colle tout le long et en bas. Voilà. Alors, hop, on colle. Oups. Alors, je colle. Voilà, on colle le papier sans mettre le trombone pour l'instant. Ce qui donne ceci. Bon là je force pas parce que je viens juste de le coller, mais le trombone ne peut pas aller plus loin. Et vous voyez, là je suis en train de le décoller, donc je vais attendre un peu. Bien collé. Donc bah, pendant qu'il colle, ce que je peux faire, on peut commencer la déco. Donc je vais découper un morceau de dentelle. Voilà. Moi, des fois, la dentelle, je la récupère sur des vieux vêtements, des choses comme ça, ou quand je vais sur des brocantes. Bon, là, cette année, les brocantes, c'est foutu. Donc, pour vous dire, voilà, moi, je la retaille parce que c'est des trucs que j'ai récupérés sur des vêtements. Donc, on découpe grosse. Un peu grossier, puis après on retaille. Donc voilà, ouais, je vais la mettre ici, donc elle dépasse un peu, je vais recouper là. Voilà. Donc moi, pour qu'elle tienne bien,
J'y mets un morceau de double face. Et je remets un point de colle. Moi, je suis sûre que ma dentelle, elle tient bien. Voilà. Donc là, sur le côté, vous voyez, elle dépasse un peu, donc je ratiboise. Et voilà. Ma dentelle est posée. Ensuite, j'avais mis la même chose en haut et puis en dessous ma fleur, je l'avais recouverte, je m'en rappelais plus, je l'avais recouverte dessus de dentelle rose. Vous voyez, j'avais mis de la dentelle rose que j'avais collée en dessous de ma fleur. Bon, là, je vais pas en mettre. Je vais en mettre ici. Je vais peut-être remettre. Alors, soit je remets ça ou peut-être penser mettre un petit cœur, ça changera de ma fleur. Je vais mettre un petit cœur rose et de la dentelle en haut. Donc je vais remettre ma dentelle en haut. Je vais recouper un bout. Zou. Donc comme l'autre. Je mets mon double face. Un peu de colle. Et je pose ma dentelle. Ce qui dépasse sur les côtés. Je rabote et voilà. Voilà, j'ai ma dentelle en haut, en bas. Et maintenant, je vais y positionner mon petit cœur en dentelle. Alors, je m'embête pas, je le colle. Là. Comme il plie un peu, et après j'ajusterai au niveau de ma colle au niveau du cœur. Un petit peu de surplus. Et la colle qui traverse, mais c'est pas grave parce que la colle, après, on la voit plus une fois qu'elle est sèche. Donc après, je prends mon trombone. Je le rentre. Derrière, je fais ressortir. Et voilà, là, je le fais ressortir un peu. Alors ici, vous pouvez rajouter une petite ficelle, un petit ruban, comme vous voulez. Mais pour pas que mon trombone se ressauve, j'ouvre un petit peu là, j'ouvre un petit peu en haut et je fais passer un filet de colle entre les deux morceaux de métal de mon trombone. Voilà, je fais glisser et je rappuie et je ferme. Voilà, et j'appuie fort pour que justement, vous voyez, là ici, c'était fermé. C'est comme ça, mon trombone il peut plus partir parce que c'était fermé. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de fermer, mais si vous ne fermez pas, vous tirez et votre trombone il s'en va. Là, il ne peut pas, je l'ai collé. Et bien, écoutez, voici les deux autres paperclips.
que vous pouvez mettre alors soit dans un junk journal, sur une carte, dans une création, ou tout bonnement dans un livre pour s'en servir comme marque-page. Voilà. C'est à l'infini, vous pouvez en servir à l'infini. Je trouve que celui-là d'avant, au lieu de mettre un sentiment, j'ai oublié de vous dire pour celui d'avant, au lieu de mettre un sentiment, là sur le papier, j'avais un joli petit cœur, j'ai mis juste une rose, une petite rose, voilà. Donc je trouve que ces petits paperclips sont, voilà, c'est adorable comme tout, ça change un peu. Et on utilise des trombones et comme ça on peut les glisser sur n'importe quelle création, carte ou un livre ou ce qu'on veut. Et pour vous donner d'autres idées, donc j'ai fait avec le pour les grands, j'ai fait avec le cœur, j'ai fait avec la fleur et j'ai fait aussi celui-ci. Alors j'ai mis de la dentelle, j'ai collé de la dentelle sur mon papier, j'ai mis la dentelle en bas. Un petit une espèce de dentelle, enfin c'est pas de la dentelle, c'est du genre un peu ficelle. On avait trouvé chez Action pendant un moment sur des petits rouleaux, je sais plus le nom. Et puis j'ai mis un petit nounours que j'ai fait avec la pâte, avec un moule, avec la pâte, vous savez, pour enfants chez Action, qui durcit à l'air. Donc voilà, donc j'ai fait un petit nounours avec cette pâte et je l'ai collé sur mon paperclip. Voilà, comme ça, hasard. Vous prenez le clips, prenez le clips et hop, et vous glissez. Voilà, sur un tag, sur n'importe quoi. Bon, ben là derrière, j'ai. Voilà, sur un tag, sur n'importe quoi. Voilà. Vous le clipsez où vous voulez. Voilà, puis ça, bon, j'en avais fait un autre avec, donc on l'a fait ensemble mes amis, j'avais fait tendresse et puis là avec la petite rose. Et bien voici mes petits, voici des paperclips différents de ce qu'on peut faire d'habitude, qu'on peut glisser partout. Une petite précision pour le papier, là je vous ai donné des dimensions, mais vous pouvez prendre des dimensions que vous voulez, du moment que ça soit un gros rectangle, que ça fasse un gros rectangle pour qu'on puisse mettre des choses un peu plus grosses que là. Alors vous mettez des sentiments, ce que vous voulez. Voilà, et comme j'avais oublié, c'est oublié de dire, ce qui est bien dans ces paperclips, c'est qu'on fait ça avec toutes nos chutes de papier, parce qu'il faut vraiment un tout petit bout de papier, comme vous avez vu, il ne faut pas grand-chose, hein. Voilà, donc comme on a toujours plein de chutes, eh ben, on réutilise toutes nos chutes, on n'a aucune perte. Voilà, et bien sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, au revoir, bonne journée, bisous à tous.